C'est comme ça que je suis devenu riche, en faisant grandir les petites parts. J'ai perdu tellement de thunes ces deux dernières semaines à cause de la chronique gratuite. Mon compte en banque, il me déteste actuellement. Ouais, c'est galère. Est-ce que vous avez hâte de cette chronique gratuite? Oui. Bon, alors, j'ai... La dernière chronique gratus, pour rappel, c'était une chronique gratus où j'avais fait un peu une expérience. Je l'avais davantage tournée comme un sketch. Il n'y avait pas vraiment de vraies astuces factuelles à passer, etc. C'était le Ratus et ses potes. Et du coup, ça vous avait pas mal plu globalement. Moi, j'avais eu des bons retours à la fois en live par vous et sur YouTube. Ouais. C'était pas mal. Là, cette fois, j'avais dit que j'alternais les chroniques gratus avec les chroniques nostalgie parce que ça me prend beaucoup de temps à faire la chronique gratus. Normal. Mais au final, comme la semaine dernière, on était en pause, j'ai quand même fait une chronique gratus. Oh là là. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Vous savez, nous sommes actuellement le 10 novembre. Yes. Attends, je vérifie, c'est vrai. C'est non. C'est non. C'est non. Qu'est-ce qu'il y a le 29 novembre? Une éclipse Le 29 novembre. C'est pile une semaine avant mon anniversaire, en fait. Ah ouais, le 29 novembre, c'est le Black Friday. Ah, yeah. Ah c'est déjà ah, là, là. Voilà. C'est toi, t'es jour férié, toi, ce jour-là. C'est jour de commémoration nationale. Le 29 novembre, c'est le Black Friday. Et comme on est à l'approche de cet événement qui commence à devenir phare en France, qui est un événement qui est venu d'abord des États-Unis, puisque vous le savez, voilà, j'ai mis le calendrier, regardez. C'est le calendrier 2019. Le Black Friday tombe bien le 29 novembre. Aux États-Unis, ça tombe bien le 29 novembre. En France, le phénomène s'est exporté d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que c'est davantage la semaine 48 de l'année qui va être un Black Friday à part entière avec un pic de promo alléchante le 29 novembre. Et on enchaîne sur le Cyber Monday qui se trouve le 1er décembre 2019. Le Cyber Monday, qu'est-ce que c'est par rapport au Black Friday? C'est les derniers coups qui n'ont pas été vendus pour le Black Friday, qui sont bradés à nouveau. Voilà, globalement, toute la semaine, vous allez pouvoir trouver des OP qui vont être sympas. Il n'y a pas vraiment que le jour J du Black Friday. Et je vais vous expliquer comment on fait ses achats au Black Friday. C'est ça que je me dis. Cyber Monday qui est un dimanche. J'allais la faire. Ah bon? Mais non, je me suis trompée alors. Excusez-moi. Ah bon? On peut remettre le calendrier, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on est en panique là. Là, ils sont en train de remettre. Ah, ça. Bah oui, Cyber Monday un dimanche, j'allais moi, faire. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompée, c'est bien le 2. Ah cool alors. Il a bien fait de la faire alors. Imagine si tout le monde est là. C'est un dimanche. Imagine, on aurait commencé sur de mauvaises bases. Quoi. Oh, je m'excuse. Ah ouais, non, mais je m'excuse. J'ai mal. J'ai voulu faire un focus Black Friday sur les jeux vidéo, tant sur le software que sur l'hardware. Est-ce que ça vous botte? Oh oui. Oui. Oh oui. Yeah. Plus que les potes. Parce que moi, j'ai pas de potes, mais. Mais j'adore le jeu vidéo. Bah, moi, j'en ai plus du coup, vu que. Ouais. Bye. Triste. Pour être plus clair, j'ai divisé cette chronique en plusieurs parties. On va commencer par le software. Le software, c'est les jeux vidéo en eux-mêmes. Du coup, on va commencer par. Quand est-ce qu'on achète un jeu? À quelle période de l'année? À la sortie. Un jeu, pour que ça soit le moins cher. Ah. Pour que ça soit le moins cher, quand est-ce qu'on achète le jeu? Day one. Vers Noël. Ok, c'est des... Non, un peu avant, en précommande, c'est là il est moins cher. C'est... Vous avez tous les trois juste. Ah, Day One, alors. Ah ouais? Moi, je dis ça juste en tant que client. Hein. En fait, il faut acheter au moment de la précommande. Ah. Pourquoi? En fait, déjà, il faut acheter en physique. Globalement, pour avoir un jeu moins cher possible, vous devez acheter en physique. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi on doit acheter en physique un jeu? Je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est un petit peu compliqué. Je m'excuse par avance. Vous m'arrêtez quand je ne suis pas assez claire, d'accord? Ok. Les millennials dans le chat, on vous demande vos 15 secondes d'attention. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Les jeux vidéo en triple A sont vendus à un prix de vente conseillé qui est fixé et qui est tout le temps le même. Ça va être soit 59,99€, soit 69,99€, ok? Après, il faut attendre les temps forts. On avait commencé à en parler tout à l'heure. Ah oui. Il y en a 6 principaux dans l'année. On commence avec le Back to School. Notez, s'il vous plaît. On commence avec le Back to School en septembre. Fort. Le Black Friday, le Cyber Monday. Non, on va arrêter. Noël. C'était les limites de ma vie. Et Noël. Noël avec les 2 semaines avant Noël, le week-end des 2 semaines avant Noël qui est important. Thanksgiving. Les étrennes, c'est en fait. Hein? Les étrennes, c'est juste après Noël, c'est-à-dire quand les
par exemple, moi personnellement, mes grands-parents me donnaient de l'argent au lieu de, de cadeaux. Et en fait, les étrennes, c'est quand l'enfant ou l'ado ou le jeune adulte va acheter un jeu vidéo avec son argent liquide, l'argent de mamie. C'est pour ça qu'il y a des OP qui s'appellent genre merci mamie, etc. pour les étrennes, où justement, voilà, c'est le moment où tu achètes les jeux vidéo, ou alors tu échanges celui qui te plaît pas pour un autre, voilà, où tu utilises ta carte cadeau, etc. C'est les étrennes. Et les French Days, qui sont un peu un Black Friday concurrentiel de la part de la France, qui a lieu un petit peu plus tard dans l'année. Excusez-moi, j'ai oublié de noter les dates. Mais bon, voilà, les French Days. J'ai jamais entendu French Days. Un temps fort moins important, mais qui existe tout de même. Il y en a six. Alors, dans le chat, j'en étais sûre, je vous avais pré-shot, pourquoi je ne parle pas d'Instant Gaming ? Ah, parce que c'est de l'escroquerie en bande organisée. Tous French les date. Partenaires Instant Gaming, je vous déteste. Vous tuez l'industrie du jeu vidéo. Quoi ? C'est pas ça, pardon. Calmez-le. Oui, pardon. Non, je sais pas. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi je ne parle pas d'Instant Gaming alors que je suis la reine Radius ? Dis-nous, pourquoi ? Instant Gaming, c'est pas illégal. C'est ce que l'on appelle le marché gris. En fait, ils vont proposer des prix très attractifs. Et comment ? En gros, ils achètent des jeux dans des pays où le pouvoir d'achat n'est pas le même. Typiquement, la Grèce, par exemple, qui a un pouvoir d'achat très faible par rapport à la France. D'accord. Ils vont acheter en grosse quantité des jeux PC, en boîte. Ils vont ouvrir la boîte, prendre le code, le mettre sur Instant Gaming. Ah ouais, c'est du marché gris, en fait. Ça a un problème éthique, en fait. C'est pas illégal, mais c'est chelou. Il y a un gros problème éthique avec Instant Gaming, parce que acheter dans un autre... Ils font ça pour Instant Gaming, leurs clés viennent d'autres pays. Okay. Voilà. C'est légal. C'est du marché gris. T'es sûr que c'est légal ? C'est légal. J'y connais rien, moi. C'est légal. Okay. Mais ça craint. En gros, ça se fait pas. Parce qu'en fait, c'est comme, vous voyez, les iPhones aux États-Unis sont moins chers qu'en France. Oui. Parce qu'ils savent que le marché français est très friand. En fait, c'est ça, très, voilà, pigeon, c'est... très pigeon. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Achète des jeux digital sur Nintendo. Si vous voulez acheter sur Instant Gaming vos jeux parce que vous trouvez moins cher, mais grand bien vous fasse. Voilà. Moi, personnellement, ils intègrent ces jeux à leur base de données. Je trouve qu'aller se fournir dans des pays qui ont un pouvoir d'achat différent du nôtre, etc. Bon, personnellement, je ne suis pas très fan. Mais du coup, toi qui t'y connais, à ton avis, c'est le genre d'entreprise qui vont rester ? Parce qu'en fait, on est sur un flou juridique qui fait que là, oui, ça marche. Ouais. Mais à ton avis, ça va maintenir ce genre de truc ? En fait, en gros, ça reste pas assez important pour qu'un jour les États se disent bon, faut qu'on règle le problème. Parce qu'Instant Gaming, encore une fois, ce n'est utilisé que par les gens qui jouent énormément, j'imagine. Oui, exactement. C'est-à-dire que si t'es le casu de base qui achète FIFA tous les ans, clairement, tu vas pas sur Instant Gaming. Hein. Oui, enfin, je crois pas. Si un jour on réglemente le truc, et eux, ils vont se dire. À go faire dans votre sens si vous voulez, juste on va mettre les jeux plus chers, quoi. Oui. Mais du coup, si les clés sont étrangères, comment ça se fait que quand on rentre la clé, le jeu soit en français ? Mais parce que c'est européanisé. Et du coup, après, quand tu le lances sur ton launcher, il est français. Du coup, la première langue qu'ils vont mettre, c'est ta langue de launcher, en fait. En fait, yes, ta position géographique, en fait. Ouais, enfin, c'est ça. C'est ça. Okay. Puisque c'est des jeux qui sont... Oui, ils sont multilangues, donc... Voilà. Mais après, peut-être il y a des gens qui le disent, mais peut-être que c'est plus... C'est une volonté des éditeurs de limiter ce genre de choses. Mais comment est-ce que tu veux limiter ce genre de choses ? Tu peux pas, mais t'en fais quoi aussi de tous les, je sais pas, les Assassin's Creed 12 en physique, il y en a 4 millions qui traînent en Grèce, t'en fais quoi aussi? Mais non, mais ils les produisent pour ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est des coûts. Mais est-ce que vous pensez Mais bien sûr, ces jeux n'auraient jamais... Je pensais que c'était des trucs pas vendus. Non, pas du tout. En fait, ça n'aurait pas été produit si Instant Gaming n'avait pas... Fait la demande. Si le grossiste qui travaille pour Instant Gaming n'avait pas fait. Ah, donc il force, quoi. Est-ce que vous ne pas que le secret de lutter contre le marché gris, c'est le système que met par exemple EA en place actuellement, ou avec son EA Access, ou aussi le UE+, qui en gros, c'est le système de tu payes 14 euros par mois, mais tu as accès à quasiment tous les jeux de la bibliothèque de l'éditeur. Et donc forcément, tu te dis, je vais payer un mois pour tester un jeu, et ça m'évite d'aller sur Instant Gaming. Je pense que c'est ça la meilleure façon qu'ont les éditeurs à l'heure actuelle de lutter contre ce genre de choses, quoi. Mais c'est un gâchis énorme de prod, c'est clair, c'est encore plus... paraît plus scandaleux. Alors, que ce que je pensais, à la limite, tu vois. Poncho qui dit, les gars, les jeux en Grèce ne sont pas moins chers, je ne parle pas du prix de vente conseillé pour le client, je parle bien du prix d'achat brut de par l'entreprise. Oui, c'est ça. On parle en B2B, pas en B2C, en business to business. En gros, ils parlent directement avec les revendeurs. Enfin, c'est ça, oui. Moi, j'ai jamais regardé les prix de vente conseillés des jeux en Grèce, voilà. En fait, c'est pas ce que les gens, quand ils vont dans le supermarché, voient
comme prix affiché dans le rayon jeux vidéo. Oui. C'est-à-dire, c'est quand ils discutent avec le revendeur, bah, par exemple, je sais pas, avec Ubisoft ou quoi, bah, voilà, c'est ouais, ça. Voilà, c'est pris, exactement ça. Ensuite. Demander ce qu'on sait pour G2A, tout ça, si c'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est exactement pareil, gros. Okay, okay. Il y a Kinguin aussi, un truc comme ça, non ? Ouais. Mais je crois que c'est. Ah, c'est eux, Kinguin. J'ai reçu un email de Kinguin qui voudrait me recruter. Bah fonce là. Et vous savez que, attention, c'est combien l'OP ? J'ai répondu non, point. Ah oui. Parce que réponds pas à la prochaine. C'est un email anglais, j'ai répondu non, N-O-N, point. Ah oui, donc aucun effort n'est fait. Kinguin, ça s'est pas mal développé, ils ont des équipes e-sport et tout, machin. Ouais, c'est mais je sais qu'à un moment donné, c'était Fnatic qui était sponsor Kinguin, il me semble, chez, dans les SS. Et du oui, coup, c'est Riot, ça. Et Riot, ils font des Kinder aussi, Kinder Kinguin. Arthur, le son, c'est deux fois le son, la batte, c'est non. Et il me semble que Fnatic avait dû retirer de son maillot, ils avaient dû retirer Kinguin du sponsor. Ne refais pas la vanne. Alors j'allais vous le dire, il y a énormément d'éditeurs qui refusent les partenariats et les OP avec les influenceurs qui disposent d'un partenariat avec ce genre de marque. Voilà pourquoi je ne parle pas d'Instant Gaming. Aussi, vérifier les offres d'occasion, Vinted, Le Bon Coin. Personnellement, dès que j'ai fini un jeu que je sais que j'y rejouerai jamais, par exemple, qui n'est pas non plus un indispensable de la Switch ou un truc comme ça, type, vous savez, des plus petits jeux, quoi, par exemple, je vais les revendre sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc. Et je vais pouvoir m'en racheter d'autres. Ça, c'est quand même, un bon deal. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais étudiant et pas. Oui, mais par contre, ça, c'est la Breath of the Wild, je le revendrai jamais parce que c'est mon jeu de cœur. J'avais des magasins sur Angers, je payais 5€ pour échanger contre un jeu d'occasion de la même valeur ou inférieure. Voilà, c'est parfait. C'est pas immonde. Hein. C'est des en vrai, mec, tous les week-ends, j'échangeais là les jeux. Tu vois, mais tu les finissais ou juste pour le plaisir ? Ça dépendait. Ça, mais du coup, après, tu testes des jeux, frère, tu vas les rendre dans l'après-midi tellement ils sont flingués. J'avoue. Pour des jeux PS2, je te jure, il y a des jeux, je les testais, flingués, j'appelle, ouais, il marche pas très bien. Ok, bah ramenez-le gratuit. Bien joué à toi. Ok, donc voilà, oui, alors Vinted et jeux vidéo, Vinted se met un petit peu aux jeux vidéo. Et puis ce qui est pas mal avec Vinted, c'est surtout la protection acheteur. Je sais que Le Bon Coin, il y a pas mal d'arnaques. Du coup, c'est pour ça que je vous ai donné aussi Vinted. Donc, revendez les jeux auxquels vous ne jouerez plus. Par exemple, moi, j'ai fait Little Nightmares sur Switch, que j'ai adoré, qui est un très bon jeu, etc. Je l'ai fini, je sais que je n'y jouerai plus. C'est un très bon jeu, j'ai adoré, etc. Mais c'est un jeu que je ne referai plus. C'est pas vraiment comme un Mario Odyssey où je vais sans cesse vouloir retrouver des lunes ou des trucs comme ça. Voilà, Little Nightmares, très bien, je l'ai revendu et puis c'est bon. Ensuite, pour tout ce qui est abonnement en ligne, prenez des abonnements familiaux. Ouais. Je pense notamment à. En fait, j'ai marqué un abonnement familial et du coup, des abonnements. L'erreur là-dessus. Terrible. Pour le Nintendo Online, par exemple, il coûte 39,99€, celui qui est familial, au lieu de. C'est 19,99€, celui qui est pour c'est tout ça. Seul. C'est ça. Celui en famille, c'est 39,99€. Vous divisez par 8 parce que c'est 8, parce que c'est 8 personnes maximum qui peuvent souscrire à cet abonnement. Ça fait 4,40€ par personne par an. Je crois que j'ai donné une petite photo à la régie pour illustrer mes propos. C'est 34, en plus, c'est 34. Voilà, c'est encore moins cher. C'est incroyable. En vrai, c'est assez ouf. Comme toi, je sais que c'est ce que tu fais, Ultia, par exemple. Moi, c'est ce que je fais, ouais. C'est incroyable comme ça te revient online pas cher. Quoi. En fait, c'est 4€ par an, quoi. 4€ l'année, c'est OK. Ouais. C'est faisable. Okay. C'est OK. Si t'as un petit peu d'économie sur toi, c'est faisable. Ouais. C'est mais en vrai, il faut 8 potes. C'est plus dur. Croyez-le ou non, j'en ai. Et du coup, on est 8 sur ce petit compte familial. On en a encore 8 après avoir demandé à tout le monde de ramener de la bouffe à la raclette. Tu te rends compte ? et du coup, voilà, j'ai mon abonnement Nintendo qui est partagé. Après, franchement, 20€ par an, c'était déjà pas non plus hors de prix, mais pour le coup, 4€ par an, c'est vraiment pas cher. Mais il n'y a pas de petites économies, on est d'accord. Attends. En plus, si on partage le même compte avec les potes et tout, franchement, Qu'est-ce que tu fais 15 balles ? Tout ce qu'on fait ? Sur un an ? C'est énorme. Sur un an avec 15 balles ? J'avoue, donc cotisez-vous, essayez de trouver les potes qui vont vous permettre de faire ça, ou même sur des Discord. Je suis sûre que sur des Discord, vous pouvez trouver easy les personnes. Ensuite, on passe au hardware. On a parlé de software, des jeux vidéo. On passe au hardware, donc c'est si ça va être les consoles, les jeux, les PC, etc. Concernant le hardware et notamment votre setup de PC gaming, j'ai demandé à un pote qui travaille pour un accessoiriste qui est assez connu, etc. Et du coup, il m'a dit, en fait, l'astuce radius numéro 1, bien sûr, c'est celle... C'est ceux qui font des périphériques, parce que toi, tu dis ce terme, mais moi, par exemple, la première fois que tu l'as utilisé, Pardon. Pas. Oui, c'est souris, clavier, etc. Mais ça aussi, boîtier, etc. En fait, c'est monter soi-même votre PC. Voilà, ça c'est mon astuce ratus, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai monté toute seule mon PC.
Je sais ce que tu veux faire comme van, mais j'ai déjà démenti par A plus B que ça n'avait aucun rapport. Fais-la quand même. Parce qu'en fait, récemment, mon processeur est mort. T'as bien monté ton PC, ton processeur est mort. Récemment, mais mon processeur est mort. J'ai monté mon PC il y a un an, le processeur est mort il y a une semaine. Tu l'as mal fait. Mon pote m'a dit, ça n'a aucun rapport avec le montage. Moi, je veux dire, il serait mort bien je avant. Je plaisante. Et vraiment, il s'y connaît beaucoup. Il a fait ça toute sa vie. Non, mais ça justifie-toi. Je plaisante vraiment. Mais moi, par contre, tu vois, je préfère avoir. Moi, quand j'avais acheté mon PC, j'avais payé 70 euros ou 90 euros le montage, je crois. Oui. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Mais au moins, j'avais la certitude que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est bien fait. Et s'il y a le moindre problème, c'est pas toi. C'est juste gratos, je te le renvoie. Tu peux regarder le gars, lui poser des questions pour le refaire la prochaine fois. Oui, mais alors attendez, parce que je vois le chat s'exciter, parce que oui, c'est obvious, mais en fait, c'est pas vraiment ça. L'astuce ratus, c'est pas vraiment monter soi-même son PC. C'est pas vraiment le coût du montage sur lequel vous allez économiser, parce qu'en fait, c'est 100 euros en moyenne. Oui, oui. Je veux dire, c'est pas non plus. Franchement, pour moi, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup pour tout le monde. En fait, voilà pourquoi c'est important de monter soi-même son PC, c'est que du coup, vous allez pouvoir acheter sur des sites séparés pour profiter du meilleur tarif. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, vous me laissez, mais aucun répit. Ah non, mais le chat, il est déclaré en mode Ultia, on veut vraiment la sucer. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Il y a combien de versions en fait, regardez sur des HP achetés à Carrefour, dégueulasse, c'était avec un vieux i2 dedans. Voilà. Donc vous pouvez choisir vos composants vous-même et du coup une fois que vous avez votre config, vous montez votre config, vous essayez d'aller chercher votre config et après une fois que vous l'avez, vous checkez les refs une par une. J'ai donné un lien à la régie. Vous checkez les refs une par une. Par exemple là, j'ai pas mes lunettes, je m'excuse, mais j'ai cherché. Alors là, il me semble que c'était Corsair Hydro H. Voilà, je cherchais mon water cooling. J'ai pris la ref. On copie-colle dans le chat et après on scroll et en fait on a tous les PVC et on les compare. Et vous pouvez prendre le water cooling ici. C'est donc ça. Mes barres de RAM ici. Ouais. Dans le même site. Hein, moi j'ai fait sur deux sites, vous voyez. C'est pas énorme non plus. Deux sites, c'est OK. J'ai fait une commande chez Hardware, une commande chez Corsair. Et puis on peut avoir des tarifs hyper attractifs. En fait, c'est ça. C'est là que c'est intéressant. C'est juste, soyez pas des teubés en disant putain, j'adore ce site, je vais commander tout dessus. Voilà, c'est parce ça. Parce qu'ils vont se rattraper sur des marges selon les accords qu'ils ont avec les fournisseurs, etc. Donc regardez, prenez un petit peu de temps. L'oratus est patient. Et donc ensuite, il y a souvent des codes promo sur les sites pour certains types de composants. Par exemple, regardez, j'ai trouvé ce code promo, il me semble que c'était avant-hier. Putain, en ce moment, à chaque fois sur ces vieux montages, moins 10% avec le code Justice. Non, mais vous avez moins 10% sur les boîtiers alimentation et refroidissement. Là, si vous vous dites, ah ben voilà, moi je vais prendre mon boîtier, mon alim et mon refroidissement sur ce site. Et puis le reste, je vais le prendre sur un autre ou j'aurai un autre code promo. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein de petites combines et c'est pour ça que vous montez vous-même votre PC. En fait, Le code Justice. Avec le code Justice. En fait, la conséquence, c'est que... Je sais ce que veut dire justice en français. Ah. Non, mais d'accord. Putain, la réaction, c'est la réactivité, c'est incroyable. INC, c'est 5 lettres à taper dans YouTube, c'est pour... Et ensuite, et ça c'est l'ultime astuce, c'est de demander un code promo en message privé sur Twitter si vous passez une grosse partie de votre commande sur un seul site. Regardez, je vous ai montré moi mon petit message en janvier quand j'ai acheté mon PC. J'en avais pour environ 1000 euros, j'ai envoyé un message à Hardware, j'ai dit voilà, j'aimerais passer cette commande aujourd'hui, donc j'ai donné le lien de ma commande et de mon panier pour pas qu'on voit que c'était pas vrai. Et du coup, j'ai dit, j'aimerais bien un petit code de réduc, c'est possible, merci beaucoup, bonne journée. Ah ouais, comme et ça, là, quoi. Elle m'a envoyé un petit code promo de moins 5%. Et voilà, j'étais contente. Ça, faut pas croire, en vrai, tu peux arriver à dénicher des petites réductions quand tu fais des grosses commandes sur des sites, faut pas hésiter. Hein. Même sur LDLC. Et soyez poli, bien sûr. Ça fonctionne. Oui. Et soyez poli, dites bonjour, merci et bonne journée. Ils ont répondu dans les 3 heures, en plus, c'est propre. Vous voyez, c'est super. Mais tu sais qu'en plus, les réseaux, pour ça, c'est très fort parce que quand t'es CM, que tu reçois ça, évidemment, bon, tu demandes l'aval quand même à ton plus 1, tu vois, et il va dire oui, bien sûr. Et toi, en tant que CM, tu te dis. Allez, avec un peu de chance, c'est screen et c'est mis sur Twitter. On passe pour les beaux gosses. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça me fait penser à une histoire il n'y a pas longtemps avec la marque Donna. Il y a un mec qui a réussi à se faire passer pour un influenceur qui est ressorti avec 800 balles alors que c'est personne. Il a juste wisp Donna en disant « Oui, c'est moi l'influenceur, machin. Vous pouvez me redire exactement ce que je devais faire et tout ?» Le CM trop con lui répond « Alors, faut que tu fasses ça. » Et il fait « Par contre, j'ai pas reçu la box qu'ils doivent envoyer de ça. Est-ce que je peux passer la chercher demain ?»« Ah, mais pas de souci, passe à 15h à cette adresse. » Genre, le gars, c'est un random. Tu vois, opportuniste, des fois, ça paye. C'est clair. Alors voilà, j'en étais où Autant bien pour moi, sûr, du coup, c'est pas du tout un random, c'est un mec à 120K sur Twitter. Ah oui, il me semble qu'il avait beaucoup d'abonnés. 120K,
cas. Ouais, mais il n'est pas influenceur Donna, c'est ça que je voulais dire. En fait, ouais. Il les a un peu entourloupés avec son nombre d'abonnés. Bah bad alors. Voilà, donc ça c'est pour la dernière astuce concernant le hardware. Propre. Et puis finalement, gagner par un concours Twitter pour le reste, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est vrai que. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a gagné un concours Twitter grâce à toi, qui a suivi tes conseils. Ça fait déjà deux personnes, deux ou trois personnes qui m'identifient sur des concours Twitter qu'ils ont gagné en mode bah merci. Est-ce que c'est des gens qui faisaient déjà des concours avant ou vraiment des gens. Je sais pas. Ils ont dû tryharder un peu. Mais du coup, ils regardent des concours où ils savent qu'il y a moins d'un certain nombre de retweets, c'est ce que tu disais. Moins de 2K retweets, tu disais. Ou 5K retweets. J'ai dit entre moins 3K retweets, c'est bien. Ok. Voilà. Il y a un pourcentage de chance plus intéressant. Voilà, moi j'ai réussi à gagner tous mes accessoires et périphériques de mon PC, absolument tous, sauf le casque. Comme ça. Lade. Donc faites-le, ça vaut le coup, ça coûte rien, etc. Donc, un petit retweet quoi. Ouais, voilà. Et puis plus globalement, pour terminer cette chronique gratuite, concernant vos achats en ligne, pardon, une fois que vous connaissez les ficelles pour les bons moments pour acheter, quand est-ce que j'achète, quel code je mets, quel site je regarde, etc. Il y a des tips supplémentaires pour cumuler les réductions. Tout d'abord, vous faites une veille internet. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière chronique sur les courses, je vous avais dit, faites les veilles catalogue, regardez, etc. Checker un petit peu. Ça, c'est évident. D-Labs est votre ami. J'ai donné le lien du site Allergie, vous le connaissez sûrement tous. Mais alors, est-ce qu'il y a des périodes de l'année où il y a plus potentiellement de chances d'avoir des réductions? Parce que moi, des fois, j'ai l'impression. Moi, je regarde aussi de temps en temps, mais j'ai jamais l'impression de tomber sur ce que je veux ou sur ce dont j'ai besoin. Donc, mes sites en forts que je t'ai donné tout à l'heure. Les sites en forts. Okay. Voilà. Et après, c'est à l'opportunité. Ce que je veux dire, c'est que D-Labs, c'est pas que des choses bien. Il y a toujours ce truc dont je vous parle à chaque fois que je fais une chronique gratuite. N'achetez pas parce que c'est en promo. Sur D-Labs, vous allez voir un truc qui a, je sais pas, 4 euros au lieu de 45. Vous allez dire, ouais, quelle affaire, vous en avez jamais besoin, vous en avez jamais eu besoin de votre vie, vous allez l'acheter. Ça reste quand même 4 euros dépensés. C'est le plaisir coupable quand même. Utilisez D-Labs de manière intelligente, c'est-à-dire que par exemple, vous cherchez une carte SD pour votre Switch parce que vous voulez augmenter la capacité en termes de stockage. Vous tapez carte SD Switch et vous dites, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment chez D-Labs? Et puis, bah, ça se trouve, il va y avoir un truc, puis ça se trouve, il n'y en a pas. Mais on est d'accord que tu compares les prix, c'est-à-dire que sur D-Labs, quand tu vois un prix et qu'il te parle d'un prix de base, tu vas instantanément sur Google et tu regardes bien où est Ecosia ou ce que tu veux. Et ouais, tu regardes bien le prix parce que. Et justement, tu fais bien de parler de ça parce que je vais en parler, c'est mon troisième point. Le deuxième, ça s'appelle Wanted, c'est un de vous qui me l'a recommandé en DM sur Twitter, donc bah, merci beaucoup vous pour tous vos retours aussi, mais oui, sur les chroniques radios parce que je ne connaissais pas. J'hésitais à t'en parler dans la semaine. Ah bah. Je te jure, voilà, radio. Bah, c'est Wanted. Il y a certains d'entre vous dans le chat qui m'en ont parlé en message privé. Bah, merci beaucoup à vous. C'est une extension qui saisit les codes promo de manière automatique dans votre panier. Vous l'installez sur Chrome. C'est trop stylé, mec. C'est très stylé. Moi, je m'en suis servi. Alors, vous le savez, les chroniques gratuites, je ne les écris pas sans avoir testé. Ça fait 3 semaines que je teste Wanted pour mes achats en ligne. Ça ne marche pas sur ces discounts. Ah ouais? Voilà. Okay. J'ai fait un achat sur Azos où il y avait un code promo en homepage pour Halloween. Et du coup, j'ai volontairement pas marqué le code promo moi-même. J'ai cliqué sur Wanted. Je me suis dit, ils vont sûrement me le sortir. Ils ne me l'ont pas sorti. Ah. Il ne marche pas sur ces discounts. Par contre, en revanche, il a marché sur un autre site, je ne sais plus lequel. Voilà, ça ne marche pas à tous les coups, mais écoutez, vous l'installez, vous cliquez. J'ai vu je ne sais plus quel youtubeur présenter Wanted en je ne sais plus quel. Apparemment, c'est full OP en ce moment. Il y a full OP. Ouais, mais parce que tu achètes une paire de chaussures, hop, tu cliques sur ton module qui va scanner tout ce qui est disponibilité, les codes de réduc, tu vas gagner 5, 10, 15, 20 euros des fois. Mastu, ça doit peut-être être ça. C'est juste trop cool, quoi. C'est un clic, t'es pas allé chercher toi-même, t'es pas galéré à rentrer des codes. Franchement, c'est. Ouais. Mais ouais, il y a des gens qui disent, moi, ça trouve jamais, donc j'ai delete. Certains sites. Je m'en suis servi pendant 3 semaines, il a marché une fois sur 3 achats. C'est pas énorme. Après, en vrai, tester, ça vous coûte rien. C'est pour ça que je l'ai laissé. Et peut-être essayer de checker ça avec le Black Friday qui arrive, peut-être que c'est là qui peut être utile, parce qu'il y aura peut-être plus de codes de dispo à ce moment-là. C'est ce que je me dis aussi, parce qu'ils vont référencer les codes promo. Voilà, ça c'est vrai. Et puis, enfin, pour finir, c'est Keepa, un ami à moi qui m'en a parlé. Ça traque la fluctuation des prix sur Amazon pour flairer les bonnes affaires. Pense tout à l'heure, tu parlais du prix de vente conseillé. Par exemple, vous allez avoir vous voulez acheter une centrifugeuse. C'est parfait. Voilà. Il y a cette télé. J'ai connu. Il y a cette télé et en fait, elle est en promo à ce moment-là. Et en fait, vous regardez avec le tracking des prix. Ah ouais. Vous dites, mais en fait, est-ce qu'elle n'a pas déjà été en promo il n'y a pas si longtemps que ça? Est-ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils n'ont pas fait monter le prix exprès pour faire genre que c'était une meilleure promo? Vous voyez, c'est sûr ça. Et il y en a masse qui font ça. Bien sûr, du coup. Tu peux regarder ça sur tous les articles, tu peux voir à quel prix ils ont été. Ouais.
seulement. Bah, c'est déjà bien stylé parce que je suis sûr qu'il y a des promos qui te sortent. Tu regardes 6 mois avant, il était encore moins cher que la promo, tu vois. Sachant que des fois, le Black Friday Amazon, t'es là. Ouais. Et Black Friday, très belle promo. Moi, c'est vrai que j'ai jamais trop check le Black Friday, mais je vois beaucoup de gens dans le chat, je sais pas si c'est vrai, qui considèrent même pas ça comme des vrais promos, quoi. C'est un peu. Ouais, moi j'ai testé le Black Friday l'année dernière, ça pue la merde. Mais tout pareil en fait, il faut que vous soyez alerte, il faut que vous compariez, il faut pas que vous achetiez aveuglément. Et puis voilà, donc ça s'appelle Keepa. K-E-E-P-A, et ça marche que sur Amazon. Parfait. Je vous remercie pour avoir suivi cette chronique gratuite. C'est vraiment comment s'armer dans Black Friday, que ce soit des extensions. Voilà.